je suis chez Air France. On travaille sur un petit live qui va avoir lieu demain pour vous donner les derniers conseils sur le marathon de Paris. Donc c'est avec du personnel de Air France qui ont couru le marathon d'avant-première. Donc ils vont pouvoir donner plein de conseils si vous faites le marathon de Paris cette année, sur le nouveau parcours, sur comment bien se préparer les derniers jours, bref, ça va être très sympa. Et forcément, vu que moi j'ai déjà couru le marathon de Paris, je vais participer et animer le débat. Voilà, c'est pas mal. Mais aujourd'hui c'est la révision donc. Regardez qui est-ce que j'ai retrouvé, Christelle. Elle mange. Je sais. Hello. Après cette journée de travail et de papotage, direction la piscine. C'est pour ça que j'ai mes lunettes. J'ai enlevé mes lentilles et j'ai mis ma montre. Donc là, on part pour 1500 de nouveau. 35-40 minutes quoi. 30 kilos. Oh, regarde qui est là. Je l'avais perdu aujourd'hui. À Air France, c'était tellement grand. Et puis peut-être qu'il a pris confiance, pas. Et bonjour. Aujourd'hui, on est mercredi. Et j'ai passé ma matinée à travailler sur le lit. Bah, voilà. Hein. Il y a de jolies petites choses qui arrivent sur le blog. Je suis super contente. C'est cool, voilà, les béquilles, ça m'a permis de reprendre plein pied dans... J'aime bien. Ouais. Là, je vais demander des vignes à Kellogg's, puisqu'on est en train de préparer des petites choses sympathiques. 2018, hein, pas du tout 2017. Hein. Mettre en anglais. Aujourd'hui, je vais beaucoup parler anglais, tiens. Et ensuite, je vais aller au Palais Chaillot, l'une des plus belles vues sur la Tour Eiffel, avec Air France, puisqu'on prépare le fameux live dont je vous parlais hier pour le marathon de Paris, et j'ai super hâte, surtout qu'ils sont adorables chez Air France. Et en plus, pour le marathon de Paris, moi c'est voilà, j'adore cette course et j'ai super hâte, puisque dimanche je serai au niveau des médailles. Voilà, voilà, c'est parti. Et je me suis, bon, j'ai essayé de me faire belle quoi, hein. Voilà ce que je me tape en béquille quoi. Merci l'accessibilité à Paris. Hop, le plateau. On est en place. C'est une superbe vue. Hein. Enfin bon, moi je la vois pas. La répétition du live. C'est déjà fini le live. Ils installent déjà tout. Mais la Tour Eiffel est toujours là, elle par contre. Hein. Hello. Yo. Aujourd'hui, on est jeudi et on a une journée chargée avec Mathieu qui a pris un jour de congé avec moi. Pour m'assister personnellement. Voilà, tout à fait. Assistant béquille. Hello. Moi, je vous dis bonjour. Bon. On a rendez-vous à 9h30, il est 10h. C'est juste à côté. Il a fallu que Mathieu aille se garer, me dépose, puisque bien sûr, il n'y avait pas de parking juste à côté. Donc j'attends avec une vue difficile. Le meilleur conservé du monde carlicon en traversant des... Au fil de la présentation du partenariat avec TMB Zambia pour découvrir la nouvelle collection spéciale trail, je vais vous la montrer, les trailers qui suivent et les trailers. Super beau. Et pour une fois, les couleurs sont canon. Et ça, c'est les couleurs de l'année prochaine. Pour les hommes, pour la femme. Regarde la surprise, mais effectivement, dans au moins 5 mois là, j'ai le temps de me dire. Mais là, on est en train de préparer une très belle course avec Mathieu et Colombia. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et bah, regarde la surprise, dans tout cas, les tenues sont très très belles. C'est les couleurs, comme dit Mathieu, du blanc, du bleu, du rouge, tout ce que j'aime. Champs-Élysées sont aux couleurs du marathon.
quand t'es un peu handicapée, t'es toujours à la recherche des ascenseurs, n'est-ce pas? Hop, je rejoins Marion, on va tourner une vidéo ici, chez Roxy. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un mois et demi, j'avais organisé un petit événement avec Roxy et Marion Tellier, que vous connaissez déjà, parce que j'avais fait une petite vidéo avec elle sur la naturopathie. Et je retrouve Marion aujourd'hui pour une vidéo cuisine, tout simplement. On va refaire, en fait, le petit déjeuner qu'on avait proposé aux chanceuses qui étaient venues courir avec moi et qui avaient ensuite suivi l'atelier de naturopathie cuisine avec Marion. Et donc bah voilà, c'est la vidéo qu'on va tourner là tout de suite, donc sans les bouteilles de vin. mais voilà, ça va être sympa. C'est parti, vous verrez ça bientôt sur la chaîne YouTube. Les vidéos sont dans la boîte, les deux vidéos. Et on mange du cake quand même, pour se récompenser. Et bon bah là c'est là moi qui fais la photo, c'est Mathieu que vous voyez là. Parce que bon bah moi, je commence un peu à fatiguer là, sur mon unique pied de flamant rose. Et voilà, les vidéos avec Marion et spéciale cuisine sont dans la boîte. Encore merci aux testeurs. Vous verrez dans les vidéos quand elles seront en ligne. Et là maintenant, on se dirige vers le salon du running. On va y rester au moins 2 heures, ça c'est sûr. Et on va retirer le dossard de Mathieu. Et ça pour le coup, ça fera l'objet d'un vlog un peu à part. Sur le salon du running. Donc je vous emmène pas vraiment avec moi, mais si en fait, mais pas dans ce vlog. Je vous remettrai la vidéo si elle sort avant ou quoi. Enfin bon, voilà. On arrive au salon du running. Regardez-moi ces arbres en fleurs comme ils sont beaux. Bon, j'ai récupéré mes petits passes presse et tout pour samedi la conférence. Et dimanche, les médailles. J'ai super super hâte. Et donc voilà, c'était super cool le salon du running, mais ça m'a énormément fatiguée parce que les béquilles, c'était pas évident. Surtout que la journée a quand même été pas mal longue depuis ce matin, 9h je crois. Donc voilà. Mathieu est allé chercher les colis et il y a des gros colis qui arrivent. Aujourd'hui, on est vendredi, c'est une journée plutôt calme et heureusement parce que je suis très très fatiguée en fait de hier parce qu'il y avait beaucoup de béquilles. Donc là, je vais juste filer chez l'esthéticienne, moi vous êtes content de le savoir, hein, parce que vu que je pars au soleil, il faut quand même se mettre un peu à jour. Voilà, donc je file entre guillemets puisqu'en béquille, ça va pas très 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 vite, hein. Bon, c'est moins sexy qu'à Montpellier, mais c'est parti pour ma séance de sport. Enfin, je vais essayer, quoi. Hello! Regardez, qui est-ce que j'ai retrouvé qui allait récupérer son dossard et qui n'avance pas? Parce qu'il regarde pas la route, comme d'hab. Donc, aujourd'hui, pas beaucoup de vlogs, puisque j'ai travaillé. Beaucoup travaillé. Mais là, on va à la piscine pour me faire plaisir. Que bon, c'est l'un des rares sports que je peux faire en ce moment. Cela dit, il me reste 2 semaines de béquille. Normalement, à 2 semaines, je suis censée pouvoir reprendre le vélo et commencer à taper des pieds dans l'eau. Taper des pieds dans l'eau. Aujourd'hui, deuxième séance de piscine de la semaine, ou seconde en fait, si on n'aura pas l'autre. Ah, c'était 1500 mètres, 40 minutes, beaucoup plus lente que la dernière fois. Hello, aujourd'hui on est samedi, veille de marathon de Paris. Donc on va aller faire quelques photos pour Mathieu avant de retourner au salon du running, où je donne une petite conférence sur débuter le running, sur mon livre, sur mon parcours. Je peux vous avouer, puisque cette vidéo sera après la conférence, que je n'ai quasiment rien préparé. J'ai pas trop eu le temps. Et puis, bah si, j'ai préparé un petit PowerPoint, mais je pense que ce dont je veux parler, ça va être un peu la surprise quand même dit. Et ensuite, je rejoins une amie, Diane, que vous connaissez peut-être si vous courez à Bruxelles avec le Dundee Crew. Voilà, et demain, c'est marathon. Et Mathieu,
sens pas super bien. Ça va le faire, n'est-ce pas? Hop, Mathieu fait son petit lay down pour c'est demain. Vous, mademoiselle. Bah, pardon. Mademoiselle. Alors, dans le sac que Mathieu a récupéré, il y avait le dossard. Ça, c'est le sac qu'il a eu. Qu'on lui donne son dossard dans une petite enveloppe. Qui était là, donc l'enveloppe. Voilà. Et. Mais il n'y a pas grand-chose hein, dans ce sac cette année. L'année dernière, je vous remettrai le lien. Il y avait vachement de trucs, il y avait des fraises Tagada et tout. Là, il n'y a rien dans ce sac. Déception, hein. Tu sais pas encore pour tes chaussettes. Si, mais je pense que je vais mettre. Tu mets les Nike. Non, mais... Ça va faire moche sur les armes, hein. Bon, ben voilà, il fait très très chaud. Mathieu m'emmène au salon du running pour la conférence. L'objectif, contrairement à jeudi quand on y est allé, c'est de trouver une place proche du salon et pas à 15 minutes en béquille de l'entrée. Regardez avec quoi je repars, petite surprise de ballot flurin, enfin ballotte flurin. Regardez ce qu'ils m'ont offert. Hop, bise énergie pour mes prochaines courses et surtout mon savon favori. Ils sont adorables. Je vous remets le lien de la vidéo dans laquelle j'en parle pour l'acné justement. Et petite autre surprise, donc ça je vous en parlerai une autre fois, c'est Run Eco, un run égal un déchet. Vous pouvez les suivre sur Facebook. Ouais, c'est ce qu'on me dit, je fais ça bien. Marathon de Paris dit pain quotidien. Voilà, on attend nos brunchs. Méga brunch de ouf. Et il est presque 16h. Presque 16h, ouais. Donc c'est minuit de l'apéro. Et regardez les champions là. Il a bien droit à sa petite bière. La parisienne en plus. Hein. Bravo! Et en tout cas pour moi c'était une très très belle expérience de retrouver mon chéri à la médaille. Bon, c'est sûr que j'ai pas pu courir avec toi, mais si j'avais couru avec toi j'aurais certainement fait plus de belles romances. On peut pas faire les deux. Encore bravo. Brunch du gagnant. Hello. Aujourd'hui on est lundi et Mathieu est en vacances. Parce que ce soir et là vous apercevez mon vélo, c'est parce qu'aujourd'hui je fais un échange de vélo. En fait c'est comme une voiture, j'ai la reprise de mon ancien vélo, ça me permet d'avoir un discount sur... bonus à 2500. Ça fait un petit bonus sur le vélo que j'ai acheté. Voilà. Certains vendeurs de vélo peuvent aussi vous le proposer, on sait jamais, en tout cas on me l'a proposé et c'est génial. Là aujourd'hui on va à la poste puisque j'ai un colis d'une gagnante, le fameux concours Paula, je vous mettrai là, à envoyer. Et surtout j'ai ma procuration à faire parce que normalement pour le premier tour je pense que je ne serai pas là, donc je préfère faire une procuration à Mathieu, comme ça il a la procuration et je pourrai quand même voter, donc c'est cool. Et lui aussi puisque son inscription à la liste électorale de là où on habite n'a pas fonctionné. Pour lui, il est encore inscrit à Montpellier. Et donc il va falloir qu'il fasse une procuration pour ses parents. Voilà, parce qu'il ne sera pas du tout à Montpellier pour le premier tour, ni certainement pour le second. Voilà, on parle politique, dis donc. En tout cas, moi je sais pour qui je vais voter. Toi aussi. Comment ça, t'hésites? Je sais. Tu sais, on sait. Pourquoi il y a un mur noir devant l'Assemblée nationale maintenant? On dirait un truc anti-attentat. Bon, ça y est, on emmène mon vélo, on a mangé, on avait un repas. Pas d'affaires. Et là, on arrive avec mon petit vélo que Mathieu remonte. Et on va au magasin. La bête que je viens chercher aujourd'hui. Et on va refaire quelques vidéos pour la chaîne YouTube. Je vous remettrai en lien par ici la première vidéo qu'on avait tournée avec Kevin pour bien choisir votre vélo.
Premier vélo de route, voilà. J'espère que ces vidéos vont vous intéresser puisqu'on a des nouvelles qui arrivent. Tada, on a fini les vidéos. Mon bolide. C'est bien. Allez, on cherche une recherche d'identité rugbystique. Mais où est-ce qu'on part? Bon, vu que j'ai encore les béquilles, c'est à distance pour prendre l'avion quand même. Parce que bon là, les béquilles dans tout l'aéroport, c'est la galère. Hein. Et ça y est, on est dans l'avion pour Rio de Janeiro. Je vais arrêter le vlog de cette semaine-là puisque le vlog de la semaine prochaine sera forcément à Rio. C'est quand même un peu long puisqu'on va essayer de faire tout le vlog de la semaine prochaine que sur Rio, donc à faire. Voilà, j'espère que ce vlog plus normal vous aura plu. Pensez à mettre un petit pouce si c'est le cas et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube.